Salut Haïti Fresham, comment nous y est? M'espérez en forme, Nat Kembe. Jeudi, c'est mardi 17 septembre 2024. Nous comptons rentrer la caillou, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour nous informer. Depuis plusieurs jours, il y a pile inquiétude, il y a plusieurs amis qui ont fait crime par rapport avec ensemble des formations qui ont circulé. Information ça yo, yo gen pouwè et généralement par rapport à gros malais pandier, des gros décisions qui a prend par bon côté leader mondial yo, des séries de dirigeants et hommes d'état tant kou nan pays Russie, Vladimir Poutine, États-Unis, genyen OTAN, gen structure plus grosse structure militaire à travers monde là qui c'est l'OTAN. Eh bien, gros ensemble de décisions militaires, gros ensemble de gros boutons de décision qu'a prend, qui la gen en pile préoccupation, en pile inquiétude, nan mitan, on paquet compatriotes. Et principalement, la kay pa nou, gagne un ensemble de décisions qu'a prend tout, et qui sujet et à pile question, qui a poussé nous poser en pile question. Nous gagne un secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui lui-même l'idée doublé par rapport avec Jean paquet l'autre pays qui soi-disant qu'on a frappé l'estomac yo dit ses amis Haïti yo ye. Comment yo a traité Haïti non situation côté peuple haïtien besoin aide yo côté peuple haïtien attend yo longer la main ba yo pour yo aider pays en sorti dans impasse difficile que lié. Malheureusement, pays a yo pas fait cas de Haïti et des séries de pays et tant que la Russie, tant que la Chine, haïtien compte sur yo en pile, mais malheureusement qui était dans limite F2X. Nous pral gagner pour nous partager avec vous et position Nations Unies dans ça qui passé dans dossier insécurité à dans pays d'Haïti. Haïti politique, nous gagner et Claude Joseph dans structure aidé. Claude Joseph dans moment là, il comportait en maître CPT. Et oui, Claude Joseph, il décidé et il pas respecté honoré engagement que il te prend envers de l'autre structure politique qui t'est monté coalition, qui t'est metté Smith Augustin en dedans CPT hein. Et bien c'est Claude Joseph, il décidé voyer Yon fugitif, by CARICOM, et Claude Edouard sa, commissaire Jean-Ernest Muscadet nan Miragouane, ap cherché le tankou chien fou, pou arrête l par rapport à demele l gen ak la justice. Nou pral ba ou plus détail. Et oui, cause yon en pile, nou genye équipe SDP akor 21 décembre nan, qui yon même décidé pour yon voye deux présidents nan conseil présidentiel transition. Yon chaque ap genye pour faire un mandat 8 mois. Même moun fou saisi, parce que là, nou wè véritablement se jouet ti moun ka fèt en dedans conseil présidentiel transition. C'est autant de formations nou pral genye pour nous partager avec vous. Et nou genye et gros tac au tac ça escombrite qui pétait en Gisel ak équipe Calico Beach en question fibre optique internet que pays a pas ka joindre depuis plusieurs jours depuis pendant weekend là. Nous pral gagner pour nous dire plus, nous gagner responsable Calico Beach Emmanuel Fitzparet qui lui-même li bay tout détail on a bon petit mamite Digicel sou fè coquin sou fè mesdames et bien Digicel yo décidé pour yo ta poursuivre Konatel pour Konatel lui-même ta poté bourré sou moun Calico yo bagay lan compliqué ou pral gagner tout détail yo déjà m'a invité ou abonner ou même qui fait tomber sur channel là sur Tax 509 tout haïtien connecté dans l'émission mon éditorial avec Yannick n'a continuer porter information pour n'a continuer brasser l'idée n'a commencé émission avec un message extrêmement important nous gagner pour communauté haïtienne non qui yo même dans pays États-Unis. Depuis commencement mois septembre, nous avons dit que Haïti nan ronde santé, Haïti nan débat, nan discussion internationale. Bagay la commencé avec visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti et après nous pral gagner scandale, nous pral gagner acharnement ça
que républicain yo a fait sur haïtien yo commencé dans Springfield Ohio kounye a c'est le haïtien net yo prend haïtien comme bouc émissaire yo comme cheval de bataille yo pour permettre à ce que yo font bataille anti immigration ou bien anti haïtien pendant campagne électorale Donald Trump là. Nous gagnons M. Friendly Julien et qui lui-même lui voyait un message pour communauté haïtienne qui États-Unis. Et message ça l'important pour me faire entendre li et suivant appréhension de ça pral di yo et après on fin d'entendre nous pral font discuter sous li et comment haïtien ta supposé organiser yo dans question élection qui gagne dans pays États-Unis pour bay Donald Trump pour bay républicain yo yon gros bout de tonton réponse yon réponse à la haïtienne pour nous faire poids nous peser dans balance sans même genre leur attaquer communauté juif yo fait et défense tête yo défendre communauté yo camper comme un seul homme comme une seule femme pour défendre et peuple yo donc journée jodi an nous autres haïtiens nous supposé qu'à regrouper force nous gonfler poignets nous gonfler veines nous pour nous bailler une réponse à républicain yo à Donald Trump qui pas suspend attaquer nous donc on nous attendait ensemble qui ça message et Maître Friendly Julien lié en allez salut à tous à son petit vidéo très rapide sur situation Springfield Illinois là et vidéo ça sont suivi d'une vidéo que me t'ai fait déjà côté que me t'a parlé de Donald Trump qui te dit que s'il réélu, l'a déporté des milliers et des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers d'Haïtiens. Et l'un des faits vidéo, il y a des gens qui t'a parlé qui dit non, c'est pas vrai, et que c'est des gens qui n'ont pas légal qu'il a déporté, etc. Et il y en a un peu comme tu dis dans la vidéo, c'est que le républicain a parlé de gens qui sont illégal. Mm-hmm. Les gens qui sont dans TPS, les gens qui entrent dans le programme Biden, ils disent qu'ils sont illégaux. Ils considèrent que TPS, tant qu'on a le projet 2025, TPS, Humanitarian Program, c'est des programmes que vous voulez abolir. Donc, dans la tête, yo, une fois que vous montez et abolir le programme, ça, les gens sont illégaux. Et vous pouvez que le appareil de monde qui Springfield, yo dit que les gens sont illégaux, ce qui n'est pas vrai. OK, parce que Monsayo, la grande majorité de Monsayo, yo gagné humanitarian power. Alors, l'idée c'est qui ça? C'est que jodi a, l'important pour nous comprendre que républicain yo attaquer communauté à trop et ça fait attaquer communauté à comme ça, c'est parce que le nous subi attaque ça yo, réponse nous pas fort assez. Jodi a Trump fait erreur avec Colistiel, J.D. Vance, pour attaquer la communauté à un moment critique comme ça, à côté que à moins de 2 mois des élections, nous avons une opportunité comme communauté pour nous montrer yo que, pour nous faire que nous pas attaquer nous encore dans le futur. Et comment pour faire ça? C'est pour Haïtiens sortir en masse à le voter. Non seulement Kamala Harris, mais il faut que nous votions toutes les démocrates dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Pour que non seulement les Haïtiens aient capacité pour ça, alors regardez le nombre d'Haïtiens qui sont en série de états critiques, pour que non seulement ils perdent l'élection, mais pour voir que le média a fait analyse pour dire que les Haïtiens sont un facteur important dans le fait républicain ont perdu l'élection présidentielle et dans le fait qu'ils ont perdu le Sénat et dans le fait qu'ils ont perdu des sièges dans la Chambre des députés. Ça, c'est très très important. Donc dans l'élection, ça a. Jodi a, sinon on a 2 voies pour nous faire, c'est continuer à dénoncer ça qu'a fait là dans les médias sociaux, yo, toutes les médias sociaux. Yo. Deuxièmement, tout Haïtien assure que tout Haïtien qu'on connaît enregistré pour voter. Troisièmement, mobiliser tous les amis que nous avons, que Haïtien, que pas Haïtien, si vous avez voté pour yo voter. Quatrièmement, que nous votons en masse, mais que nous votons toutes démocrates, ni sénateurs, ni députés, ni présidents. Merci. Non, quoi faire commentaire yo. Est-ce que nous sommes ça moi? Nous tande bricana yo cap coin que puis a passé des points de Julien. Canal pas problème. Voilà, nous sommes tande message Maître Friendly Julien par rapport avec attaque, par rapport avec campagne et républicain yo a mené et contre haïtien
et la gueule dans manger animaux domestiques yo, nous manger chien, nous manger chat, yo dit manger canard, etc., etc. Juste en façon pour yo dénigrer nous. Yo dit haïtien et petit Donald Trump, il dit que haïtien et c'est yo, c'est comme si nous c'est des attardés, nous pas comprendre rien en rien, nous pas intelligent même nous sort. Tout ça c'est façon pour yo dénigrer nous. Donc et Franklin Julien conseil l'hypothé pour communauté haïtienne non c'est pour ta et tout monde qui gagne tout monde qui enregistré comme votant aux États-Unis pour ta fond pour te bourrer à voter et Kamala Harris etc toute démocratie et dans les jours dans les prochains mois et précisément pour élection avant même élection et faut me chercher un spécialiste dans question élection américaine parce que nous connaît élection aux États-Unis et yo toujours parler de et c'est grand électeur yo c'est yo qui baille et c'est yo gain élection non mais yo c'est pas forcément les votants tout ça yo paquet information yo paquet son et système électoral américain il très complexe donc faut me chercher un spécialiste un monde qui connaît domaine là bien qui pour venir pour expliquer et grand public là véritablement qui ça bagaille là donc pour chemet la loi, li estime que haïtien yo, communauté haïtienne nan ka fè chavire balance. Ka chavire balance et par rapport au détriment de Donald Trump par rapport avec campagne que républicain yo a mené contre haïtien. Et journée jodi an vraiment, nous pral réaliser le yo attaque l'autre communauté, le yo attaque communauté chinois yo campé. Le yo attaque japonais yo campé. Le yo attaque communauté latino yo campé. Le yo attaque juif yo campé. Le yo attaque musulman yo campé. Journée jodi an si yo attaque communauté haïtienne non. Indépendamment on moun ta di journée jodi an ou c'est haïtien ou ta enregistré nan parti républicain ou bien ta enregistré nan parti démocrate sou bon minimum. Sou bon minimum de bon sens, ou bon minimum de mounite, ou bon ti kras haïtianite nan ou. Faut ta comprendre se haïtien ap denigre. Se pa yon question ou al jouen tel équipe par rapport avec bataille politique ka fait aux États-Unis. Mais se Haïti, se peuple haïtien yon attaque dans l'ensemble. Moi même toujours été clair sous position. Que le républicain qui prend pouvoir aux États-Unis, que le démocrate qui prend pouvoir aux États-Unis, ça n'a pas aucune incidence sur Haïti. Il n'a pas aucune incidence sur Haïti parce que le démocrate est venu pour défendre l'intérêt pays, le républicain est venu pour défendre l'intérêt pays, tout, intérêt États-Unis. Mais ce n'est pas intérêt haïtien qui prend le défendre, ce n'est pas intérêt Haïti qui va le défendre. Et gè quelques exemple me konn parler avec yo qui toujours dit et démocratie fait Haïti pi mal yo c'est yo toujours fait plus ingérence dans question politique en Haïti etc. si c'était républicain pas t'a bien ceci pas t'a bien cela mais pour des respectant pour niveau sou moun zamwe Donald Trump a fait avec haïtien là pour jou moi républicain malmené communauté haïtienne nan faut pas ta haïtien oui seulement pour pas ta camper pour défendre haïtien pareil pour défendre pays ou image honneur pays ou c'est pas parce que ou aimer démocrate ou bien pas aimer démocrate mais là c'est comme si ou non situation il y a le pire ou obligé font façon pour choisir le moindre mal est-ce que nous comprenons il y a le pire. Yo n'est pas bon, mais dans situation trouvo là obligé font façon pour choisir le moindre mal parce que la Donald Trump vient dit li pral déporter haïtien par dizaines de milliers. Ça dit là, ça il a fait parce que li strict sous politique et immigration, li strict sous bagaille ça. Pas gen route pas moi, quel te moun Biden, quel te moun TPS, Donald Trump quand on écrivait s'il ta président là, li chavire bagaille yo. Tout moun sa yo ki pral gen pou retourner vin Haïti non situation critique côté en pile nan yo te kouri pour insécurité en pile nan yo te kouri à cause bandi koun yo pral déporter yo est-ce que le pral nan intérêt moun sa yo est-ce que le pral nan intérêt pays en jan pays en là
Donc moun zan yo yo gen intérêt yo même pour yo prendre position pour ça cap bon pour yo pour prendre position nan intérêt pa yo pour prendre position pour défendre tête yo. Donc ça nan sens ça mettre friend le Julien li aller. Donc haïtien communauté haïtienne qui États-Unis yo supposé regrouper yo, yo supposé motiver yo, sensibiliser une l'autre pour yo bay Donald Trump en réponse pour yo bay républicain en réponse. Parce que Donald Trump ça le fin dit clairement hein. Là, il a déporté le président de Matel, il a déporté en campagne de déportation massive. La fait. Donc, c'est nous pour qu'on ait, avant de dormir en danger, nous, comment on a pris un carbone, nous. Mais pendant qu'on fait choix ça, qui prend un choix peut-être, qui prend un choix personnel par rapport à la bataille que nous y a, mais toujours songer. Que le démocrate, que le républicain avant toute chose. N'importe qui t'a pris le pouvoir, c'est America First. Yeah. C'est pas en question Haïti avant tout, c'est America First parce que c'est des dirigeants américains. Qui ça nous-mêmes nous a fait pour payer nous en retour? Le nous finons regrouper nous en tant que communauté qui gagne poids dans balance. C'est même poids ça pour nous Québec pour nous faire pression sur dirigeants pour nous connaître que Haïti son pays même Jacques tout pays. Yo supposé qu'on limite yo, nous supposé qu'a ba yo limite yo tout. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est là tout nous qu'a continuer faire jouer. Et pour nous gagner influence, nous gagner pour nous défendre pays nous, nous-mêmes qui, États-Unis qui dehors Haïti. Ça, li important. Non la kou la kay nous, nos questions politiques là. Et ben, yo pas fin bon même pour Claude Joseph, parce que Claude Joseph. Et li gen même syndrome, li souffre de même syndrome avec André Michel parce que Claude Joseph je la fait bagay yo là, c'est imposé la imposé, c'est li qui voulait faire et Major Jean et coalition et des red compromis historique là parce que yo pas joindre en entente, li décider lui-même la voye non moun pal, bay CARICOM, pour al remplacer Smith Augustin. Malheureusement, moun Claude Joseph voye ya, malheureusement pour pays ya, mais Claude Joseph ak tout Claude Edouard, et Claude Zayo, yon kon ki sa yak manigans. On nous gade ensemble, ki sa ki di nan pos si la. L'actuel secrétaire général du parti aidé, Claude Edouard, est dans le viseur de la justice à Miragouane. Un mandat d'amener a été émis contre lui le 8 juillet 2024 pour abus de confiance au préjudice de Noël Shirley. L'authenticité de ce mandat a été confirmée à notre rédaction par le greffe du parquet de Miragouane. Contacté par Métronome, l'avocat de Noël Shirley, Maître Claude Bleu, a confirmé que son client avait un litige avec M. Claude Edouard. Le mandat initialement suspendu a été réactivé par le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadet, le 12 août dernier, selon les dires de l'homme de loi. Ce dernier a également précisé que le mandat n'a pas encore été exécuté car le secrétaire général du parti aidé ne se trouve pas actuellement à Miragouane. Claude Edouard, c'est lui-même, Claude Joseph, et voyé comme nouveau représentant aidé dans conseil présidentiel transition parce que et Claude li divorcé, li coupé fâché avec Smith Augustin, li a remarié, OK, li a remarié. L'a marié à Claude Edouard, Claude pour Claude et li décidé li apprend un fugitif, la prend un monde qui gen démêlé avec la justice. La pran yon moun ki genye et gros accusation sou do li abus de confiance. Donc ou te nan relation avec ou te gon on dizon avec madame Shirley Noël ou pas respecté ou violer confiance si et puis kounye a besoin pour la violer confiance tout en population tout en pays. Commissaire Muscadet réactive mandat derrière Claude Edouard. Yo pa ka jwenn Claude Edouard nan Miragouane. Y'ap chèche le Muscadet, y'ap chèche citoyen. Tant qu'ou foumi foul pa ka jwenn ni. Et pourtant ki kote yo fè konnen Claude Edouard vin serè? La kay ki yes Claude Edouard liye sou intelligent a fè m konnen? Eh bien, yo déclaré OK, il est logé à l'enseigne
de l'ancien premier ministre Claude Joseph. Donc, là, le caché, la caille Claude Joseph. On nous garde ensemble qui ça qui baille comme détail dans poste là. Tandis que Claude Joseph n'a pas eu l'aval ni de raid ni de compromis historique. Il a désigné Claude Edouard, le nouveau secrétaire général du parti ED, pour remplacer Smith Augustin au conseil présidentiel de transition. L'originaire de Miragouane, Claude Edouard, est un fugitif de la justice qui se cache chez Claude Joseph à Vivi Michel, virgule, pour avoir été poursuivi pour abus de confiance au préjudice de Madame Sherline Well et le mandat d'amener annexé au bas de la brève, etc., etc. Donc, ce mandat d'amener à Nabgade là, qui a écrit sur la plume aujourd'hui, côté que 12 août 2024, là, eh bien, commissaire du gouvernement et Jean-Ernest Muscadet l'y réactivé, l'y écrit bon pour exécution, etc., pour y aller chercher, tant qu'on fou, mi fou, tant qu'on chien fou, pour y aller chercher Claude Edouard. Mais le Claude Joseph, ou prend Claude Edouard comme secrétaire général parti EDA, ou dit que c'est lui-même ou pral mette, c'est lui-même ou désigné pour aller remplacer Smith Augustin de dans conseil présidentiel transition. Mais en sérieux, mais mon minimum, non la nèg yo pas fait pays. Parce que nèg yo tellement besoin accaparer pouvoir. 7 octobre, la privé très bientôt. 7 octobre, le pas loin arrivé. Donc, le ou la façon, Claude Joseph, li pas vle pour 7 octobre, pour t'apprendre Smith Augustin en dedans conseil présidentiel transition, parce que livre fok li gen président partout qui coordonne et conseil présidentiel transition, li kouri voye non secrétaire général patien by CARICOM. Premier erreur Claude Joseph fait, son coalition nous te gen. Tout le ta parle ou ta voye fleur, tout le te gen mariage, nous te fait d'amour. Smith Augustin, équipe et des red compromis historiques. Claude Joseph t'a toujours dit son coalition qui mettait Smith Augustin. Son coalition qui gagne trois structures politiques, qui gagne aidé Claude Joseph, Red Renald Duberus, compromis historique, qui gagne, bon, je ne me rappelle pas de son nom, qui gagne un paquet de monde qui représente elle. Mais non, même compromis, en fait, moi dis nous, il gagne ancien sénateur sud-est, Lambert, Ladandier, etc. Dans le compromis historique là. Mais, kounye a, nous te entendons, nous c'est nous trois qui te désigné, te signé pour nous voyer Smith Augustin dans CPT. Kounye a, le nous pas 40 ans nous par rapport avec retrait Smith Augustin, on a décidé à gros point. Jean-André Michel qu'on fait là. Et comme si André Michel gagne tant, bah on est comme des gars, les pipi sous tête li. Non, bon, baba, m'a dit ça, non, papa. En tout cas, il y a même comportement avec André Michel. Même comportement, même virus politique, là, même virus le plein pouvoir, là, c'est lui qui frappe. Donc, nèg yo pas respecté même accord yo te signé. Yo pas respecté même décision que yo te prend entre yo. Même Claude Joseph qui te kon campé à défendre Smith Augustin, qui te dit gagne présomption d'innocence, qui te kon dit c'est coup d'état politique, nèg yo vle bay Smith Augustin, Fox Smith Augustin rete en fonction, etc., jusqu'à ce que rapport USC se sorti. Et puis c'est même nèg za yo, c'est même Claude Joseph Edéan, c'est même lui-même qui bay coup de poing en de ça. Comment nous ka faire confiance avec moun za yo pour nous remettre sur un pays? Comment nous pral faire confiance? Comment pays, comment population, comment ou même dans diaspora à un certain moment, équipe Claude Joseph Edéan te konap? Vous comprenez, c'est qu'on a joué dans main moun yo montrer que toujours prend position patriotique pour Haïti, c'est comme ça moun yo la tombe dans jeu moun yo et puis soit attendez à journée aujourd'hui on commence ouais véritablement vrai visage nèg yo. C'est des intérêts personnels et mesquins que nèg yo a défendre, c'est pas question pays. C'est pas que Smith Augustin doit rester en fonction. C'est pas que Smith Augustin doit rester dans poste li, mais l'op suivre même Claude Joseph ça li contredit tête li, ou a mandé, ou a posé tête toute question on nèg qui t'a défendre yon idée, qui t'a défendre qui t'a dit mais sous qui sa conviction le former, mais qui position et puis de un matin même lui même encore, seul pas même qui t'a un petit trou vide pour l'autre l'en sorti, cap craser l'autre comme ça.
Le moun sa yo, lò wè, rapport sorti yo, dou nèg sa yo, yo inculpé yo nan assassinat président, yo te nan complot pou touye président, dit et tout. Et même le dossier Jovenel, le tap, et machande, nan tout panier, nan tout bak bo la rue, est-ce que véritablement nèg sa yo, yo tap jam surpasse yo pou yo bloquer, pou yo camper, pou yo détourner complot pou touye président. Parce que le président pa la, et premier ministre, c'est lui qui pral vin sa se jour, le président. Nèg yo gon maladie folie, président. Nèg yo gon maladie chef, nèg yo gon maladie pou wap monte nan tête yo. Donc, à tous les coups, nèg yo la, équipe Claude Joseph, là, Claude Joseph, li a utilisé formule, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. C'est exactement ça la fait. Donc, tous les moyens sont bons, n'importe gens lié à que t'es pour un fugitif serré la caille, que t'es pour un inculpé, que t'es pour n'importe ça lié à depuis le cas un pouvoir dans mille, il pas besoin qu'on ait. Non, quoi pas passer. Faut commissaire Muscadé, faut qu'il fait pou, faut qu'il fait suivi, yo, faut que coordination qui fait. Quand Claude doit le cacher, elle te met non trou rat. Il te met non trou rat jusqu'à ce que autorité judiciaire, autorité compétente dans Miragwanyo, yo ta décidé, yo ta dit, yo pa ganyen pour yo reprocher Claude Edouard, OK. Mais en attendant que mandat d'amnial réactive derrière Claude Edouard, non faut commissaire joindre citoyen pour yo poser la question et le commissaire gouvernement finit par décider est-ce que yo pa poursuivre li, est-ce que yo pa arrêter, est-ce que yo pa voyer dans dépôt, le sa pays a konnen qui côté le ka camper avec Claude Edouard. Mais pour l'instant, Claude Edouard, il est un fugitif, il est recherché activement par le commissaire du gouvernement de Miragwane, Jernès Muscadé. Donc côté nouvel, loge doit sous li. Dit le commissaire à chercher. Ça, c'est important. Nous avançons toujours dans la question politique et sécurité. Je dis encore, matin bonheur et gagner un avion, US Air Force, qui débarquait dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Toujours dans le souci pour porter matériel, équipement pour force multinationale. Cependant, gagner une grande inquiétude par rapport avec Jean. Et situation pays d'Haïti en Jean, le pays au traité Haïti en parent pauvre, Jean paquet pays qui dans Nations Unies yo pas répondre véritablement pour yo aider pour yo ba en coup de main, c'est États-Unis comme major Jean, c'est lui qui bail matériel équipement, c'est lui qui bail l'argent, Canada te promet, c'est lui qui bail près de 90 millions si me pas trompé moins, et c'est Kenya qui prend tête mission, c'est Jamaïque qui voye et 20 soldats, etc., 4 officiers, et c'est Tchad qui promet la voyer, c'est Bénin qui promet la voyer. Donc, question sécurité, un dossier force multinationale, là, li non impasse. Li non impasse, c'est son situation qui est vraiment critique, et parce que nous, à quelques jours de rentrée des classes, Fok sécurité rive rétabli pour ti moun yo reprenne chimé l'école en toute sérénité. Territoire perdu yo, côté l'école pa jam fonctionner, fok yo ka récupérer pour activité scolaire yo ka reprenne. Donc, bagay yo compliqué, bagay yo grave. Par rapport avec situation ça, hier, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, li trouvé c'est inacceptable. Li déclaré c'est inacceptable. Pour Nations Unies, pour pays qui fait partie de Nations Unies, yo, pour yo a traité Haïti comme ça. Alors que peuple haïtien a souffri, peuple haïtien en situation extrêmement difficile, moun yo y a mouri, moun yo yo non situation chaotique, on peuple qui a souffri, qui non situation désespérée, qui besoin yon ti crasse monnaie, yon ti monnaie épice pour permettre que force lan li vraiment prenne force pour prendre jarrette pour le répondre avec besoin de sécurité pour les DPNH tout bon pas gon pays vraiment qui les mette tête dehors pour aider Haïti qui ça et Antonio Guterres li bay comme détail nan micro AFP m'bral li pou nou Haïti. Le chef de l'ONU juge inacceptable le manque de fonds pour la mission de sécurité. Le manque de contribution
pour financer la mission multinationale menée par le Kenya pour aider la police haïtienne dépassée par la violence des gangs est absolument inacceptable, a dénoncé lundi dans un entretien à l'AFP le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La guerre, nous jouons l'argent pour nous faire toute qualité de bagaille. Depuis c'est pour la guerre, nous gagnons l'argent. La grande crise financière et que les banques ont besoin de l'argent pour le redressement qui fait pour nous sauver, nous jouons l'argent. Mais là, on ne peut pas souffrir. Tant que les gens ne peuvent pas ici souffrir là. Nos situations qui désespérées, on ne peut plus. Nos situations critiques, à n'en plus finir. Nous avons besoin de cob. Nous avons besoin de timon et épice. Pour prendre force, tout bon. Pour mettre force en camper sous des pieds. Pour force bon, jouer un bon jeu matériel, bon jeu équipement. En lait, à terre. Sous l'homme, pour combattre gang, pour combattre bandit, et puis tout pays après kakoy, yo après les boudayo, yo parle de Haïti. C'est inacceptable. Dans la déclaration secrétaire général des Nations Unies, manifestement, nous avons une mauvaise volonté, une mauvaise foi. Une mauvaise foi par bon côté des séries de pays, malheureusement, et des séries de pays, tant que par exemple la Russie. Des séries de pays, tant que par exemple la Chine. Des séries de pays, nous toujours dit, et foxer avec eux pour nous gagner relations diplomatiques, bonjour relations diplomatiques, qui pour aider Haïti, redresser, faire face, etc. Mais là, on est sérieux. Là, ce n'est pas une question de bataille diplomatique ou bien de bataille politique et intérêt, et bataille pour intérêt, bataille géostratégique, etc. Non. Bataille influence la Russie et États-Unis, la Chine, États-Unis. Par quoi nèg yo ta besoin vinn fèl jouer là non moment côté que c'est moun, c'est la vie des citoyens haïtiens qui en jeu. C'est la vie des citoyens haïtiens qui en difficulté. C'est nous-mêmes qui nous situation critique, par quoi, par intérêt pour te tout chire pit ça, tout zigzani ça juste parce que Haïti besoin ti monnaie épice. On 200 millions, mais pour 200 millions, ça a fait, il n'y a pas jamais qu'à fait. Comme bloqué, pas qu'à gagner comme qui baille, pas gagner financement pour force multinationale. Donc, si vraiment, tu as un intérêt pour aider Haïti, je pense que tu as gagné, tu as fait ça, tu as fait. C'est là pour nous comprendre tout. Nous voulons nous honnêtes avec tête, nous. Dans la question pays, dans la question relation pays à pays, pas des amis. Dans la question relation pays à pays, c'est intérêt qui compte. Jusqu'à date, moi-même, je dis. Honnêtement, c'est seul Venezuela qui montre en dépit de tout ça. Haïti ka fèl diplomatiquement parlant, en dépit de toute mauvaise décision, mauvais vote Haïti bay contre Venezuela, Venezuela campé pour dire on dette 1.7 milliard de dollars américains la efface pour Haïti dans l'argent fonds Petrocaribia la efface dette ça pour Haïti. C'est seulement Venezuela oui là. Mais après ça, tout pays Haïti prête dans mes nous avons des dettes publiques. C'est gonfler, nous gonfler force, nous gonfler vin nous, et pour nous remettre, pour nous rembourser comme yo. C'est remettre, nous remettre comme ça yo. Parce que si yo dit c'est prête, nous prête, c'est démêler les dettes nous pour nous rembourser, pour nous remettre comme yo. Nous voulons nous comprendre. Diplomatiquement, Haïti doué, Haïti ta doué, ka gagne relation le pito avec pays le pito. Mais relation ça yo doit toujours faite de manière égale. Négociation ça yo doit toujours faite de manière à ce que Haïti joue un intérêt pâle. Et c'est là le problème non yé. L'Europe garde même mis États-Unis fait sur Haïti ou pas qu'à développer relation diplomatique avec des séries de pays par exemple tant que et la Grande Chine tant que la Russie, ça quelque part li paralysé. Li paralyser Haïti d'un point de vue économique, des séries de avantages que nous t'ai chercher non mais et la Chine que nous pas bénéficier yo, d'un point de vue militaire également, des séries de avantages que nous t'ai joindre non mais la Russie et la Chine tout nous pas bénéficier yo parce que diplomatiquement parlant, nous Haïti gen met, vous comprenez Haïti c'est un coup le gen met, mais dans toute démarche pour nous faire pour nous ta gen, pour nous ta rétabli pour nous ta établi bon jan rapport avec pays sa yo faut que nous ta toujours connait premier bagage faut que nous gen dirigeant de caractère qui campe pour défendre intérêt Haïti.
Faut que nous ayons des gens qui comptent négocier pour négocier dans l'intérêt Haïti. Parce que si nous pas négocier avec un pays qui est pour le bail, nous gagnons pour le bail, tout si nous pas négocier pour Haïti jouer. Le pays a toujours venu, il a pris tout ça capable pour le mettre dans la caille. Parce que tout pays qui est en négociation, tout le monde qui a fait une négociation, il a toujours cherché ça bon pour lui. Il a toujours cherché tirer avantage pour le mettre à l'abri. Donc, si nous négocions, nous ne pouvons pas négocier bien. Et je prends l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. Lui a décidé de retirer le corps. Le Burkina Faso a sorti le corps en bas de la France. Lui a décidé d'aller faire relation relation, établir relation avec la Russie pour acheter matériel militaire, etc. Mais c'est sous base de négociation. Oui, c'est même genre. Si capitaine Ibrahim Traoré pas négocier avec Poutine, il pas négocier avec autorité homologue Russie, Jean le ta de négocier Genanger. La Russie te ka toujours vini, vini prendre ensemble davantage et puis yo même et ou t'a tande la Russie sorti à 70% et puis pays a sorti à 30%. Non. Yo négocier Genanger. Mais qui ça me ka ba ou, mais qui soit ou même ou ban moi, est-ce que soit ban moi, li a nan intérêt. Mais puis on avance. Donc c'est ça nous besoin pour Haïti, c'est ça nous besoin pour la caïno, pour pays nous. Donc vraiment dans situation Haïti là, c'est pas sans raison si nous ouais et Antonio Gutierrez si gen réaction ça. Et surtout, et faut moi dis nous, mois septembre li important pour Haïti. Parce que pas oublier pral gagner 79e Assemblée générale Nations Unies. Dans 79e Assemblée générale Nations Unies, et Haïti pral gagner pour prendre la parole. Nous allons commencer et l'Assemblée a ouvert depuis 10 septembre. 10 septembre, et si je ne me trompe pas, 10 septembre. Haïti pral gagner pour prendre la parole. Dans la prise de parole Haïti, hein, et bien entendu, situation sécurité a pral aborder, force multinationale a pral aborder, et question sécurité a pral parler de lui. Donc, secrétaire général là, il prend le devant. Ça c'est une deuxième bagaille. Nous gagnons 23 septembre là après gagner réunion et sous Haïti. Réunion ça la fête New York. 30 septembre encore pral gagner décision qui pral prendre sous force multinationale là. Pour yon konnen est-ce que yon a transformé en mission multinationale ou bien est-ce que yon a payé, est-ce que la prêté force multinationale. Donc, par rapport avec situation ça, là, tout j'en virel, Haïti nan ron satlan, Haïti li sou tab discussion. Nous connaît élection, c'est ça qui sont ses priorités transition. Si élection, c'est li priorité transition, donc le plus rapidement possible, faut gagner prise de position qui fait pour monter et conseil électoral provisoire, faut gagner arrêté qui sorti, faut gagner préparation qui fait, nous connaît gagner référendum que on a planifié tout ça. Donc l'important. Dans ce ça, nous gagnons une intervention extrêmement délicate nous va le partager ensemble avec vous qui gagne pour avec question élection, question ingérence et qui fait au niveau élection à travers conseil électoral et provisoire yo là yo mette campé à qui niveau international là yo même yo vinn fouré bouche fouré corps toute longueur pour yo choisir mauvais là ou mauvais jé pour yo imposer pays hein, pour yo imposer nation hein. Nous gagnons une intervention qui t'est faite que m'était jugé qui est extrêmement important pour nous retourner sous lui. Donc on va regarder attendez ensemble avec moi et tout détail qui a bail dans dossier ci là. L'international a pentré jusqu'au cou bien jusqu'à la tête dans la question. Et si m'est capable parler qu'on y a d'un géant international là, alors c'est ma banlieue une après l'autre. L'affranchissement de la tutelle financière, parce que quand même, son gros levier, on y a parlé de l'autre forme de gérance internationale. Parce que même quand il n'y a pas l'ordre à travers l'argent, même si on cap contrôle, parce que c'est eux-mêmes qui étaient fiduciaires là, il y a un cob là et puis c'est eux qui gèrent le tout. Ce qui est dangereux, donc, c'est ça. Maintenant, là qu'on a parlé de l'influence que l'international gagne le résultat, il faut que nous ne pensions pas que c'est au bout du processus, comme si le résultat sorti. Que pral gon pression pour que changer résultat, par exemple. C'est pas comme ça le fait. International a suivi pas à pas tout ce qu'a fait dans l'élection. Donc, premier exemple que m'a baou, c'est la sénatorial là. Wendell, depuis le choix des candidats éligibles, l'international s'est impliqué. Éligible. Choix des candidats éligibles. Nous ne pouvons même pas qui est-ce qui pourrait l'accepter pour aller dans l'élection.
Eh bien, à ce moment-là, tout le monde a un problème. Là, il y a un problème de candidat à la Valas parce que la loi électorale dit que c'est la plus haute instance d'un parti qui signe pour désigner le candidat. Parce que tout le monde qui est en parti, papa dit, bon, même le président, là, le Sénat, il faut que la valise par la plus haute autorité qui était Jean-Bertrand Aristide, mais qui se trouvait à ce moment-là en Afrique du Sud. Donc, la signature qu'on devait avoir pour accepter ce candidat, pas changer le terrain, problème de critères d'éligibilité, non, mais nous pas capable de signature, ça. C'est ça qui fait toute une histoire, songer. Eh bien, on a reçu la visite de Mme Janet Sanderson de l'ambassade américaine. Ambassadrice américaine et de Francesco Gossetti de l'Union européenne. Avec ces deux gros bois à l'international. Là. Mais surtout que l'Union européenne toujours contribue à l'organisation d'élections, financièrement. Exactement. Donc, il n'y a pas venu agressivement, visite de courtoisie. Mais la visite de courtoisie a dit nous que on a pas obligé pour un candidat ça parce que bon il va toujours chercher tous les objectifs pour gagner trop pour mon là oui etc. Faut que nous obligé accepter candidat à la Valas là. Nous mêmes nous disons nous sommes tenus de respecter la loi électorale. On ne pourra pas accepter ce candidat pour telle raison. Et puis même le bon moi même t'es toujours c'est comme si m'étais là pour ça m'tape suivre pour moi qui bon international vient interférer pour me capable réagir moi-même et j'ai proposé tout de suite aux membres du CEP qu'on écrive une note pour nous dire international là laissez-nous travailler en toute indépendance. Ils ont accepté, j'ai fait la note. Alors je dois dire que le livre a 60 pages de documents authentiques. Et cette note que j'ai eu à faire qui a été ensuite signée par tous les membres du CEP est là. Ça c'est la première étape et je vous dis au niveau de l'étude des dossiers des candidats. Une deuxième étape, alors ma PC pour un moment qui est plus crucial. Je peux continuer ou bien il y a des questions? Allez-y. Oui, alors une deuxième étape, c'est le moment au moment des dépouillements du premier tour des élections. Encore, c'est très tôt, parce que nous ne pouvons pas connaître le résultat du premier tour, non? Nous avons un dépouillement. Et brusquement, un matin, ou peut-être dans la nuit, parce qu'à 6 h du matin, je reçois un appel et du président qui dit que M. Muller est Muller bon rencontrer les membres du CEP. Bon, moi-même, ton petit j'entrais, comme si je n'avais pas dit réticent contre les blancs qui ont fait du bail comme ça, parce qu'il y a une façon d'éviter les gens. Il y a, c'est pas, on y comprend. Et convoquer, quoi. Des disons, forme de convocation, même si ça n'était pas une. Alors, ceci s'est passé le jour où nous devrions rencontrer les candidats, le groupe des 12 en particulier, parce qu'on songeait. Le groupe des 12 là, on songeait. Ils étaient protestés contre l'élection. Donc, nous devions les rencontrer, parler avec eux, qui s'est passé, poser les problèmes et tout. Donc, ce même jour-là, Muller demande de rencontrer le CEP avant. Donc, moi, j'ai refusé d'aller à cette réunion de Muller. J'ai dit, ma panique qu'à aller à l'heure, nous devons éviter candidat. Quand j'arrive à l'heure, Haïtien est toujours en retard, par exemple, le candidat là, pendant ce temps, Muller est encore en salle avec tous les membres du CEP. Donc, il me dit, bon, puisque je vais regarder ce qui a passé. Et pour faire une histoire courte, c'est là que j'ai enregistré, j'ai transcrit dans le livre un dialogue entre Muller et les membres du CEP. Et c'était très fort, très fort. Muller dit, au nom de la communauté internationale, nous ne pouvons pas accepter Jules Célestin comme président de la République. Au nom de la communauté internationale. À ce moment-là, alors, il était... Alors, on précise, Baronne, si vous voulez permettre que moi interrompe vous, pour une petite précision tout petit, il faut nous rappeler, l'Abdi Edmond Muller, c'est ancien représentant spécial secrétaire général Nations Unies. On dit chef minister. Exactement. À l'époque, c'était minister. Là. Exactement. Et Jules Célestin était le candidat du parti au pouvoir Unité. Donc, Livinil dit non, il va accepter. Carrément, il dit que le bouquet avec courant la Valas là, et que pas gagné courant la Valas qui a passé là. Jules Célestin n'est pas passé au deuxième tour, aller au bulletin passer au premier tour, j'en ai dit là, oui. Donc, Livinil mette nous en garde. On nous fait un petit campé là. Je retourne avec et vidéo ça. C'est pour nous comprendre, il y a des marches pendant. Semaine qui s'est passée, hein, que le premier ministre Garry Conille lui-même était entreprendre, pour moi, PM, ils sont en très mauvaise pente. Ils sont en très mauvaise pente, je te dis déjà. Je vais retourner sur la photo Silayo. Photo Silayo, c'est le premier ministre Garry Conille qui lui-même était convoqué grand corps diplomatique. Là. Et t'as gagné plusieurs éléments, t'as gagné plusieurs points de discussion, t'as gagné plusieurs bagailles, t'as discuté. Et dans la discussion, t'as parlé sous question conférence nationale, t'as parlé sous question référendum, élection, financement élection, tout ça. Moi-même, t'as trouvé que dans la démarche premier ministre Garry Conille,
Et pour aller là, on te juge que ou pas qu'a dit ou a parlé avec international, ou a parlé avec des diplomates étrangers et pour venir parler de financement élection avec yo. Qui ça bagaille ça veut dire? Est-ce que nèg pas bon ici qui fait politique, yo pas jamais tirer leçon de quoi que ce soit? Est-ce que c'est Jean Gamoun yo qu'on dit, est-ce que c'est Kaka Kalbas qui dans tête yo? Est-ce que c'est exprès yo fait? Est-ce que c'est fou yo fou ou bien est-ce que c'est plan yo vinn voye yo exécuter? Est-ce que c'est exactement ça yo gagné comme mission qui inscrit dans agenda yo? OEA et influencer résultat élection Martelly. Nous gagnons même bagaille là au niveau de CEPA dans le processus sélection candidat yo. Yo commencé depuis là, yo intervenu dans commencement processus électoral là, yo intervenu dans financer élection, yo intervenu à la fin pour modifier résultat élection. Et puis c'est comme si nous pas jamais prendre leçon de quoi que ce soit, nous fait appel avec même acteurs ça yo, même moun ça yo dans international là pour venir chita, venir parler de mise en place processus électoral, de mise en place référendum, élection tout ça. C'est comme si moun yo fait exprès, oublier adage, oublier histoire, yo oublier petit dicton qui finance commande là. Depuis c'est moun nan k'ap bo l'argent, depuis c'est moun nan k'ap mete kòp pou ou. Donc c'est ça le vrai, c'est Jean le lan, c'est kon sa k'ap mande l. Donc mes amis, bagay yon ti jan complexe, bagay yon ti jan compliqué. Li te important pou m te fè nou tande ti extrait ça pour rappel. Parce que nous-mêmes nous prévisible pa bo ici là. Et déjà avec Jean équipe CPT ça yo Jean Machoquette ça yo moi yo commencé à préparer yo là pour chavirer bagay yo m'pa fin trop comprendre parce que gen un article qui sorti dans colonne Gazette Haïti Gazette News côté que équipe SDP à 21 décembre nan yo paré yo pour yo voyer deux représentants dans conseil présidentiel transition a gagné. Comme yo pa 40 ans yo son moun, comme gen deux moun, Marjorie Michel a Vickerson Garnier, yo entend yo comme Gérald Gilles tap genye, c'est li en dernier lieu tap genye pour faire élection et qui tap pral genye mkwè 16 mois devant li, eh bien comment yo tap pral reparti et mandat et Marjorie Michel a fait 8 mois, Vickerson Garnier a fait 8 mois. Moi m'a mandé est-ce que c'est dans tout pays là? Est-ce que c'est m'pa konnen? Est-ce que c'est dans bien maman yo ak papa yo? Est-ce que pays en son savane pou ta ye vrai pou ta kiton bagay kon sa passe? Donc c'est ça yo genye nan viseur yo pou yo voye deux nan bay CARICOM kote yo pral partager mandat en dedans conseil présidentiel transition. Nous la n'ap suivre. Nous la n'ap suivre parce que gen bagay n'ap tande, gen bagay ka prive joine nous comme information dans dossier politique en Haïti. Moi même m'a mande tête moi. Qui ça empêche que gon soulèvement général qui fait pour nous courir gros la journée derrière tout nèg sa yo derrière tout machoquette sa yo qui ken bon pays en otage comme ça parce que ça et nous tous des gens Antonio Guterres t'a dit c'est inadmissible c'est inacceptable et bien c'est là bagaille yo inadmissible et inacceptable tout bon vrai franchement bagaille yo grave bien nous pral rentrer dans un dossier extrêmement important qui c'est dossier et Digicel, conflit qui gagne dans Digicel entre équipe Digicel là avec groupe Calico Bichan qui gagne en tête li Emmanuel Fritz Paret. Et li important pour nous al faire entendre tout détail que responsable Calico li même li t'a bail parce que moun Digicel yo qui a fait et haïtien monter le ciel par dollar et bien moun yo sementé. Malgré yo doué plus que 2 millions de dollars, di yo pa doué, yo di yo pa bayon yota. Au lieu yo entend yo pou yo gérer et différent yo gen avec équipe Calico, mais yo préféré à gros ponyette. Yo préféré à gros ponyette faire pression sur Konatel pour Konatel lui-même ka rive régulariser situation pour yo. Dans ça, gen yon intervention que Emmanuel Fritz Paret lui-même li fait. M'bra le permettre nous gagner tout détail yo. Et tout causé la raconter depuis qu'il est litige a commencé et comment li invité population pour lever campé dans des gwendiji
Parce que Digicel est pas fin trop différent de bandit légal qui a cassé pour être malheureux, malheureux. Donc, on va attendre ensemble qui ça Emmanuel Fritz paraît lui-même, il y a bien comme détail. Je rejoins Emmanuel Fritz paraît. Emmanuel, bonsoir. Merci parce qu'on est avec nous à Soya. Ou dans boucanté la parole. Comment est-ce? Comment est-ce? Bonsoir, bonsoir. Et très bien. Très bien. Et depuis, comment est-ce même? Très bien. Depuis quelques jours, entreprise OUA, avec un petit conflit avec Digicel, ça qui vient perturber la communication d'un pile côté dans le pays. Emmanuel Fritz Paret, est-ce que vous êtes capable de nous qui ça problème nan yé, entre nous-mêmes et Digicel? Bon, oui, nous avons expliqué tout problème. Là. Est-ce que vous entendez? Nous recevons très bien. Ok, ok. Bon. Ça a commencé en 2018. Moi acheté un hôtel qui s'appelait Calico Beach, dans la zone Caries là. Là, j'ai acheté hôtel là, bon, même avant moi acheté hôtel là, moun qui vend moi hôtel là, monsieur Relé Samizurek, et ou quoi ou content de ou compagnie qui est bien, très bien. Oui, oui, oui. OK. C'est Samy Durek avec Boulos avec et on l'autre monsieur ou bah son génol et Pierre Louis. OK, monsieur Pierre Louis. Nous acheté hôtel là dans Mayo. Mais avant nous acheter hôtel là, yo di nou gen cab. Gen cab qui sorti juste Florida qui entre Haïti par Calico. Un se cab ça qui bay paya internet. Yo di nou yo gen en pile difficulté avec Digicel parce que yo signé un contrat à Digicel, mais Digicel va jamais respecter le contrat. Ne le ça, contrat, yo te gen à Digicel, et m'a clair avec ça, contrat, yo te gen à Digicel. Yo te gen un contrat avec Digicel qui dit Digicel, faut que Digicel baye, et chaque chambre, dans l'hôtel là, internet, bon internet, faut que yo baye chaque chambre et téléphone, faut que yo bay télévision dans chaque chambre yo comme si faut que yo bay tout service et télécommunication dans hôtel là pour bay yo droit de passage avec fil ça qui bay tout Haïti internet mais yo di moi Digicel ba jam respecté contrat ça et pour yo même yo pa gen temps pour pedi à Digicel yo di nous bon ou acheter hôtel là pour moi mettre négocier avec yo. Moi commencer parler avec Emmanuel Paret avant. Est-ce que contrat yo te gagné avec et sa mesure là, est-ce que contrat ça te gagné l'argent la donne? Oui ou non? Bon, on pas gagné contrat devant moi. OK, on pas gagné contrat ça devant moi et peut-être demain sous le mot comme cadeau et si contrat ça te gain l'argent là. Non, konya, ça veut dire non ça mesure que t'abdou là, il pas te parler de l'argent, il pas te parler de l'argent du tout, il te plus parler de bay chamyo internet et bon, mettre internet etc. Bon bagay. Et non le ça même m'te gain l'autre business m'tab gérer, c'est papa qui était président compagnie. OK, c'est jusqu'à dans 2022, papa m'a eu cancer, moi vin président compagnie. So, m'a pas cadeau 100% parce que m'a eu contrat devant. OK? Mais, ça m'a cadeau, n'importe contrat, yo te gen à Sami, li pas existé encore. Parce que, li t'a existé si nous t'es acheté compagnie, Sami. Mais nous pas acheté compagnie, Sami. Nous t'es acheté bien. Nous achetons hôtel là. Nous mettons hôtel là en dans compagnie pas nous. Et nous te dit Martin Booth, nous te dit Digicel, ne le ça.
nous pas reconnaître contrat ça, n'a fait un nouveau contrat. Même cadeau, dans le moment, et Martin Bout, li pas occupé nous. Premier bagaille, nous t'ai parlé bagaille ça avec elle. Il t'ai gardé nous comme moun. Bon, il pas de compte qui est-ce nous t'ai. Il pas même quoi nous t'ai gardé acheter hôtel là. C'est là nous fin acheter hôtel là. Nous acheter hôtel là pour 7,2 millions de dollars américains. C'est là ça, là nous commencer réparer hôtel là. Chaque côté, nous t'ai besoin bâtir nouveau chambre dans hôtel là. Mes fils là, nous dit oh, comment ça? Nous gagnons un hôtel, nous acheter, nous gagnons presque 80 chambres, nous besoin bâtir un autre 100 chambres dans l'hôtel là, mais chaque côté nous besoin fouiller pour faire force, chaque côté nous besoin fouiller pour faire piglo, nous pas qu'à faire rien parce que fil ça domine toute terre. On me dit, bon, je dis, OK, wait a minute. Et c'est là, ça me dit, papa, me dit, bon, faut que nous négocions à Digicel. Parce que faut que vous payez le droit de passage ça. Nous chita avec vous plusieurs fois. Vous ne pouvez jamais le faire rien. C'est exploiter l'hôtel là. Vous ne pouvez jamais répondre. Un jour, en 2020, il était le 2 juillet 2020. Phil, il y a eu un problème. Il y a eu besoin d'entrer dans l'hôtel là. Nous pas quitter l'entrée dans l'hôtel là. Nous disons non. Il faut que nous gagnions un accord pour nous avoir le droit de passage dans Phil. C'est dans le ça, nous voulons les juges de paix. Nous voulons qu'on a tel chita avec nous-mêmes, avec Digicel, nous fait un accord. Accord ça, t'as dit deux bagailles. Il dit, premier bagaille, pour tout le temps que vous êtes dans l'espace-là, il faut que vous payez nous. Nous t'ai évalué à 48 000 dollars américains par mois. Après ça, yo dit yo, si vous pas vle deal avec Paris encore, ou gen 9 mois pour retirer cap ça. Ça c'est en 2020, oui. Et Paris Bamdou, est-ce que cap l'a passé en bas en mer ou bien il passé en dans hôtel là même? Il passé en Balam, li sorti Florida, li passé en Balamère, li entré dans l'hôtel là. Li passé en bas cuisine là, en bas yon building yo, et dans l'hôtel là, après ça, li sorti de yo, côté et Digicel gen terminal. Ok, Kounia. Ok, tale, m'lavo, ok, Kounia. Ok, bon, tale, non, on se goûte, bon, pose question ça, Kounia. OK. Là où taxé au 46 000 dollars le mois. 46 000 dollars pour qui ça? 48 000 dollars taxé le par mois pour qui ça? Parce que fil ça empêche nous premier bagaille, fil ça empêche nous grandir hôtel nous. Pas de côté, imaginons on terre qui presque et 4 KO. Tout côté, nous besoin bâti nouveau chambre dans la plage là. Parce que là où il y a un hôtel, faut qu'on bâti chambre côté moun kawe, vu le mer. Ça, c'est terre qui plus cher, qui a plus valeur. Mm-hmm. Chaque côté, nous besoin fouiller pour faire force. Pour faire pluie, pour faire plomberie, nous pas qu'à faire rien parce que fil là, ou t'as dommagé fil là. C'est bon. Nous calculer combien crop n'a perdu parce que nous pas qu'à grandir hôtel là. Après ça, nous calculer importance, location ça et pour Digicel. Nous calculer combien crop y'a fait chaque année.
nous dit bon mais comme ça n'a mandé yo pays il pas me représenter 1%. OK. C'est normal. C'est comme ça nous calculer comme là. Et mais ça m'Abdoula nos contrats nous signer. Li di yo si yo pas d'accord pour payer ça. Nous baillons 9 mois pour retirer fil là pour faire passer en l'autre côté. Est-ce que contrat ça li écrit ou bien son contrat verbal ça ne décarrelé un contrat dans bouche. Li écrit et m'a voué le baout tout. Et ni ou même ni ou signe et puis Digicel signe un contrat tout. Nous tous les deux signe. Et on l'autre monde Konatel signe comme témoin. Est-ce que là avec mm-hmm. Ou gen contrat ça même dans mon ou gen contrat ça même m'ka tout voye le baou okay. pardon nous chita là m'ap content ça OK kounye so ça c'est en 2020 nous signe contrat ça so on fait un petit bac li di yo même si yo pa vle payer nous yo pa vle entre non accord avec nous la paye nous un an et demi yo te là après ça la yo gen 9 mois pour retirer câble faire le passer en l'autre côté parce que beaucoup t'aime ou gen kay plusieurs familles ou connaît que plusieurs monde qui là mais depuis Digicel fin signe contrat ça. Nous quittons Digicel entrer dans l'hôtel là, yo rangé fil et yo rangé bagay yo te gen pour ranger a. Depuis jour ça nous pas jamais entendé rien. 4 ans 9 mois yo pas jamais dit nous rien, yo pas jamais payé nous. Ça c'est un, yo pas jamais retiré fil là, yo pas même répondre nous encore. En 2022 mwen te chita a Martin Boot nan hôtel Marriott. Mwen chita avec monsieur, mwen di monsieur bon et Martin nou gen pou bati lot chanm en fil sa vraiment emede nou. Nou gen on bagay nou sinye deja ou pa respektel. Monsieur ofrim $10,000 américains. Il dit bon. T'as le. Où t'es pour contrôler ça ou bon t'as un monde l'offre $10,000 américains. On était avec Marc Antoine Accra. C'est Marc Antoine Accra qui fait m'chita avec Martin. Comme si Martin nous fout $10,000 américains pour qui ça? Il dit mais $10,000 américains. Quel faux cadeau? Il pas besoin de plus que ça. Les gardes comme si on ti nèg noir, on ti nèg tête graine qui pas mérité rien. M'fait matin connait, m'dit matin. Moi acheté hôtel ça pour $7,000,000 américains. Et m'a dit on l'autre bagaille. Le compagnie Hilton International, une des plus gros hôtels dans le monde. Yo DM. Yo ban franchise. Elle a bâti plusieurs Hilton dans le pays. Ça m'a fait à $10,000. C'est le ça me levé. Bah, je me parle à monsieur. Marc Antoine Accra, il était gagné en caille piba hôtel moins. Monsieur te fait un chita avec Martin comme un mediator. OK, comme un monde qui t'a passé fait nous entendre nous. Mais le monsieur offre $10,000 et non même mal niveau ça même. OK malé nous commencer process la justice et nous fait Jovenel t'est supposé aider nous mais dit pas de jambe bon rien pas de jambe rivé les Ariel. Le premier ministre
avocat nous voyait plusieurs lettres by Ariel, il voyait plusieurs lettres by ministre intérieur, il voyait plusieurs lettres by ministre la justice, rien pas jamais fait. Bon, nous, après ça, dans un moment ça, bandit commence à craser toute caille beaucoup de temps. Bandit prend toute zone là. Même on l'autre hôtel qui beaucoup de temps qui est le Waoube. Il crase Waoube net. Bon, dans un moment ça, et nous pas qu'à faire rien. Ça veut dire que l'hôtel là jodi n'a pas fonctionné, il n'est pas opérationnel. Les internet il va fonctionner bon li toute zone là dirigée par bandi en toute zone là c'est gang qui la donne à kounya mais faut me dire Digicel sorti une note pour dire que nous pas gagné aucune dette envers Parete Hospitality Group SA. Oh, yo pas aucune dette envers nous, yo pas aucun deal, yo pas aucun entente que nous t'ai fait avec vous, mais même apprendre que nous bloquer bon. Nous bloquer on compte yo, est-ce que c'est vrai que et nous bloquer on compte bon, Digicel? C'est ça, c'est ça. Bon Dieu, bon réponds nous. Premier bagay, Digicel t'a toujours dit ça parce que pour yo même tout pays a pour yo. Ok? Tout pays a pour yo, et yo pense yo ka acheter tout le monde. Oui, nous bloquer contre yo parce que on juge dans le tribunal, li wè que normalement yo doit nous, yo bloquer contre yo. Yo bloqué contre le BNC, le BPH, le BUH, le Sougi Bank, le Capital Bank, le Unibank. Tout contre bloqué. Mais semble, Unibank avec Sougi Bank levé blocage là pour contre sans la justice. Mais je dis à, on tendait que yo bloqué contre toujours bloqué, oui. Mais il est bloqué pour 2 millions de dollars. Semble qu'il a gagné plus que 2 millions de dollars dans le compte. Ça veut dire qu'il a bloqué pour quoi il a été douem dans le ça qui était septembre 2023. Là, nous avons bloqué le compte. So, il a même 2 millions de dollars par rien pour eux. Il a continué à fonctionner. Bon, ça n'a pas rien pour eux. Okay. Mais Bamdou, est-ce que nous-mêmes gon blocage, gon bagay nous fait dans espace là qui empêchait comme si et communication passait bien. Est-ce que gon bagay nous fait ou bien sans panneau pas rentrer dedans? Qui ça fait comme si jodi on gagne tout plein ça parce que moun yo di pas ka joindre internet, mais est-ce que c'est un sabotage que nous fait dedans, son blocage que nous fait, c'est entrer ne pas bay ou rentrer pour capable venir travailler? Qui ça bagay là jodi a? Monsieur, bon. On seul bagay m konnen zone la dirije pa bandi. Et moi trouvé que you know même ça c'est hôtel moi pa ka prend machine moi pour prendre route nationale pour rive dans hôtel moi. Mba ka fèl. Mba konn comment technicien Digicel fait rive en l'air. Mba konn comment technicien Digicel fait passer n'importe 3 4 checkpoint de bandi. Yo même yo rive en l'air et yo toujours en l'air. Jodi a la même moun ki te krasé hôtel mwen. Jodi a nou wè, bon avant hier nou wè yon technicien Digicel li paret avec yon bandi yo ki tout zone la konnen. Et yo di la antre nan hôtel la. Ça veut dire bon, m'pa konn ki relation Digicel gen avec moun sa yo an lè a. M'pa konn sa ka pase parce que m'doum pa la pou 2 ans. Mwen seulement konnen yo di m gen problème an dan yo gen pou régler. Mais même, moi gade yo, m'di bon, m'pa ka kite ou entre pour faire rien, ou gen yon dette pour moi. Nous gen yon bagay yon kou nan la justice. C'est après un jour, premier ministre relem li di moi, tout pays a pa gen internet,
parce que il y a un problème en dedans. Qui est-ce qui est là? Premier ministre Willem. Premier ministre okay. Willem. Mm-hmm. Il dit moi il y a un problème en dedans Digicel besoin entrer. On dit premier ministre dit t'a remis fait tout ça pour faire hein? Mais nous avons un problème à Digicel, ils doivent nous en pile l'argent pour presque 5 ans. Nous t'a remis yo dit nous en bagaille avant yo entrer. Tu dis nous en bagaille. Soit paye m'kounye, OK, soit paye non moi, soit renégocier dim en bagaille. Moi c'est un monde tout, moi c'est un investisseur. M'gen kòp mwen deyò tout. Mais premier ministre dit moi dossier ça pas pour lui. Seulement, il a besoin de Digicel pour entrer. Premier ministre dit tout, il dit, et nous comprenons tout, parce que il dit moi, pays a gagné en pile crise, moun pas qu'à parler, la police pas qu'à parler, so il pas vraiment concerné avec sa Digicel gain pour moi, et il a juste besoin et téléphone là pour marcher encore, internet pour marcher encore, après ça, mettre réglé à faire ma Digicel. Dans moment ça, me fait premier ministre parler avec avocat. Et avocat si m'gen deux avocats à Haïti, taler m'a du ki cabinet yoyé. Et me fait premier ministre parler avec avocat et jusqu'à présent konnya m'a tann information pour et ça n'a fait. OK? Et but pi gros problème moi gagne c'est pas comprendre comment Digicel pensait yo ka exploiter thème yo ka fait ça yo vle et yo pas gagne pour payer nous rien m'pa comprendre comment Digicel parce que Digicel yo même le yo met 1000 goud dans téléphone nous les minutes la fini il fini yo coupe mais comment yon même yon vle faire business dans le pays, mais yon pas vle payer espace côté la faire business? Qui côté yon fait bagay ça? M'ba comprenne. So, même, et moi rive en point côté que m'ap gestan qui sa Digicel gen pou dim. Et qui dernier parole, qui dernier message pour la population, qui a souffert là malheureusement, parce qu'on est mon petit gens connecté à Internet, qui message pour mon là? Bon, un seul bagage, Gadou, et même, si je veux perdre l'argent pour payer Haïti, pour payer côté trois timons que je fais, payer côté marié, si m'gen pour perdre l'argent pour Haïti, m'a pas gen problème faire ça. Mais faut tout le monde connaît vérité a. Parce que normalement, bon, m'a pas qu'à quitter pays a. Enfin noir, en Digicel comme ça, c'est ça l'a joué oui. Yo comme ça, yo connaît yo trop gros pour perdre. Parce que c'est celle yo même qui là. Yo bagay compétition. C'est raison ça, monopole en États-Unis, li illégal. Parce que li crase moralité business. So normalement, même pas ka kite pays à cause ça. Mais fuck tout moun kon vérité a. Moun sa yo pas bon. Yo pas pour nous pour rien. Yo pense pays a pour yo. Emmanuel, bon mandon bagay. Okay. Emmanuel, bon mandon, on connait grand pile contact à l'étranger. Ou voilà qu'a joine un compagnie qui t'a peut-être gon 5 avions que t'a fait, qui t'a fait vol et Port-au-Prince au Cap, Port-au-Prince au Cap. Parce que ou a parlé de monopole. Mon cher gon sunrise là, on dit j'en dis, ou pas aucun contact, on connait plein contact. Et ça me dit là, va là pour tout haïtien okay. Cap côté à l'étranger. Est-ce une bagou aucun contact kaka louer un 5 avions? On six avions, même si chaque avion prend 30 moun, 50 moun, pour nous faire vol cap haïtien, volant de pays, ça va les vols interhumains, yo. Parce que monopole là, du moun, monopole là, du en pile avec Sunrise. Mon cher Bamdou, gen pile moun, qui besoin entrer.
il y a un pile monde qui besoin entrer pour investir dans business sa yo. Mais le yo wè à qui ça m'a vivre dans pays a. Yo vin peur. Yo vin peur moun sa yo parce que wè moun sa yo a parlé là, yo tout connecté. Yo tout fait un seul. Wè sa m'Abdoula, but quand même bagay ça a changé. Mais faut que nous fait deux bagay. Premier bagay, faut que nous réaliser que nous pas gagner aucun politicien dans pays qui vraiment comprend monopole son bagay illégal. Parce que moi dou encore l'écraser moralité dans business. Les politiciens commencent à comprendre monopole sont un bagaille illégal, c'est pas bon pour pays a. Ou après l'autre compétition commence à entrer et tout bagaille a changé. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et puis on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.